Giglio, ce chef-d'œuvre de Beethoven, l'opéra unique de Beethoven, parce que Beethoven n'a pas composé d'autres opéras. Beethoven a composé des œuvres vocales importantes, comme la Missa solemne, comme la 9e symphonie, qui se termine par le chœur que vous connaissez, mais n'a composé qu'un seul opéra, et il y a passé beaucoup d'années, et il a mis beaucoup de lui-même dans cet opéra, faisant passer deux messages principaux, le message de la fidélité, de la femme pour son mari, et je pense qu'on va parler de ça, et le message de la liberté, bien sûr, et peut-être d'autres messages que mettront en évidence le metteur en scène. Cet opéra a été donné le 20 novembre 1805 à Vienne, pour la première fois, dans des conditions bien particulières. Parce que Vienne, à cette époque-là, était occupée par l'armée napoléonienne. 20 novembre 1805, on était à quelques jours de la bataille d'Austerlitz. Donc Napoléon et l'armée française préparaient la bataille d'Austerlitz. 8 jours avant, le général Murat, avait occupé Vienne. Et il y avait des manifestations dans Vienne, comme aujourd'hui dans Paris ou dans Nice, mais peut-être encore plus graves. Hein. Les conséquences étaient plus graves pour l'avenir de l'Autriche-Hongrie. Et que s'est-il passé? Eh bien, tous les aristocrates, tous les gens qui s'intéressaient à la culture, avaient fui Vienne. Il n'y avait plus personne des gens, j'allais dire, cultivés, qui auraient pu comprendre ce que Beethoven voulait dire dans cet opéra, qui était là. Les mécènes de Beethoven, vous savez que Beethoven avait des mécènes, comme le prince Razumovski, hein, comme l'archiduc Rodolphe, vous savez, ces personnages importants qui ont financé la création de sa musique de chambre ou même de ses symphonies, bien qu'il n'était pas là. Seul restait le prince Lichnowsky, qui était un des mécènes aussi importants, hein, qui Beethoven a consacré à dédier des sonates, à dédier des symphonies. Lui, il était là parce que il aimait un peu Napoléon, hein, donc c'était un peu un traître d'une certaine façon, donc il était resté dans la vie. Et d'ailleurs, Beethoven et Lichnowsky, par la suite, se fâcheraient, hein, parce que Beethoven avait été un admirateur de Bonaparte. Bonaparte a porté des idées révolutionnaires, des idées de générosité, des idées de république. Mais lorsque Bonaparte s'était fait couronner empereur, Beethoven était entré dans une fureur folle. Et je pense que vous connaissez cette anecdote, hein, de la 3e symphonie, la symphonie héroïque que Beethoven avait dédiée à Bonaparte. Et lorsque Bonaparte s'est fait couronner empereur, Beethoven a déchiré la première page de sa symphonie avec la dédicace, et il a renié évidemment l'empereur français. Donc Beethoven était dans une situation d'hostilité face à l'empereur et pas face à l'armée française. Or, qu'est-ce qu'il y avait le soir du 20 novembre 1805 pour assister à la création de Fidelio? Il y avait uniquement un public d'officiers français qui était là. Les Viennois n'étaient pas là, enfin, il y avait quelques Viennois. Alors, vous imaginez comment des gens qui font la guerre, d'officiers, des soldats, peuvent être intéressés par la musique contemporaine, parce que c'était cela. Et évidemment, c'était un échec. Ils n'ont pas du tout compris. Et puis, d'ailleurs, il y avait des allusions qui étaient faites également, qui ne plaisaient pas aux officiers français. Hein. On en parlera avec le metteur en scène tout à l'heure. Donc ce fut un échec. Ce fut un échec et Beethoven a été vraiment complètement bouleversé par cet échec. Alors le prince Lichnowsky, qui était là, qui était donc un mécène de Beethoven, organisa quelques jours après une réunion dans laquelle il convoqua Beethoven et il lui a dit « Ludwig, tu dois faire des coupures dans cet opéra, il est trop long, on ne comprend pas. » Et Beethoven refusait. Il y a une séance épique, il y a un témoin qui raconte l'histoire de cette séance où Beethoven refuse de faire des coupures, refuse d'attenter à sa propre musique. Et la femme de Lichnowsky se mit à genoux à la fin, et écoutez, je vous en prie, coupez là, dans votre opéra, il est trop long, on ne comprend pas. Là. Et finalement, Beethoven finit par céder. Et donc, il y a une nouvelle représentation l'année suivante, et alors là, ça a été encore un échec.
Parce que Beethoven, qui avait un mauvais caractère, et puis il avait des excuses, hein. La surdité hein, commençait à devenir de plus en plus importante. Hein. Et Beethoven était aigri, Beethoven avait cette musique fantastique en lui, mais en tant qu'être humain, il était très amoindri. Donc, Beethoven s'est fâché avec le directeur de l'opéra. Donc, on a retiré les représentations. Et ce n'est qu'une huitaine d'années plus tard que l'opéra Fidelio a été donné dans un des théâtres de Vienne. La première fois qu'il avait été donné, là, en 1805, c'était dans un opéra, dans un théâtre bien connu, le théâtre Andervin, où la flûte enchantée avait été créée quelques années plus tôt. Et là, c'était je ne sais pas quel théâtre, l'autre théâtre de Vienne, donc 8 ans plus tard, Fidelio a été créé. Et là, ce fut enfin un succès. Beethoven avait compensé son œuvre, avait changé l'ouverture, voilà, c'était un succès. Et changé le titre aussi, hein, oui, parce que c'était Léonore, alors, et c'était devenu Fidelio. Et dans la salle, il y avait un jeune homme qui avait 17 ans, qui était amoureux de Beethoven, amoureux, fan de Beethoven. Il avait vendu tous ses livres de classe, d'étudiant, pour pouvoir s'offrir un billet. Il s'appelait Franz Schubert. Voilà. Et là, ce fut un grand succès, et Fidelio va continuer à être un succès que vous. Alors donc, on va parler avec le metteur en scène, on va parler de ce message, bien entendu, on va parler avec le chef d'orchestre, de la puissance de cette musique, hein, parce que c'est un opéra, mais c'est une grande symphonie, quand même, hein, cet opéra. Avant de parler, je vais juste vous raconter l'histoire, parce qu'on va vous parler de certains personnages, afin que vous situiez les personnages dans cette histoire. Donc, Fidelio, c'est une femme qui s'appelle Léona, qui s'est déguisé en homme pour se faire engager comme gardien de prison dans la prison où son mari Florestan est enfermé comme prisonnier politique. Vous voyez ce message de liberté. Et elle va finir par le délivrer parce que cet opéra dramatique en fait finit bien. Elle ne meurt pas à la fin, donc c'est déjà Oui, c'est vrai parce que dans tous les opéras. Du 19e siècle, il y a toujours des fins tragiques, et là, finalement, ça finit bien. Donc, elle arrive dans la prison, et voilà que la fille du geôlier tombe amoureuse de lui, enfin de lui, d'elle. Et cette fille, qui s'appelle Marceline, a déjà un amoureux, donc qui n'apprécie pas évidemment le changement d'attitude de celle qu'elle aime. Et le père, Rocco, accepte assez bien que sa fille fréquente Fidelio, son nouvel adjoint. Et là, au début, il y a un quatuor extraordinaire, un des plus beaux quatuors qui étaient composés dans l'histoire de la musique. Il y en a avec le personnage de Rocco, de Marceline, de Fidelio et de l'amant, de l'amoureux de Marceline. Magnifique quatuor, je pense qu'on en parlera tout à l'heure avec le chef d'orchestre. Donc, dans la prison arrive Pizarro. Pizarro, c'est le directeur de la prison qui annonce à l'Assemblée que Don Fernando, qui est le gouverneur de la région, va venir faire une visite dans la prison. Et il est très ennuyé parce que Florestan est un prisonnier politique. Et il sait que le gouverneur ne va pas du tout apprécier cela. Alors il demande à Rocco de tuer Florestan, de le faire disparaître. Et Rocco refuse. Alors il faut dire entre eux, Rocco va simplement accepter de creuser la tombe de Florestan, mais il ne le tuera pas. Ça, c'est à peu près le premier acte. Hein. Dans lequel on ne voit pas Florestan, en fait. Hein. Dans lequel on ne voit pas. On le voit d'une certaine façon, vous avez expliqué tout à l'heure. Deuxième acte, alors on fait connaissance avec Florestan qui est dans sa cellule, là, qui sent qu'il est près de la mort et qui évoque les temps heureux où il était avec Léonore. Arrive Pizarro, hein, qui est
bien décidé à le tuer, hein, pour le faire disparaître. Mais à ce moment-là, Fidelio s'interpose et Fidelio révèle quelle est sa vraie identité. C'est le moment aussi où on apprend que Don Fernand, dont le gouverneur va arriver, on entend une trompette, voilà, c'est la trompette de Fidelio et l'ouverture de Léonore, donc Pizarro s'en va, les deux amoureux se retrouvent, hein, Fidelio et Florestan, donc Léonore et Florestan, beau duo d'amour, et le gouverneur arrive, et tout se termine bien. Voilà, j'ai à peu près résumé l'histoire de Réponse. Bien, alors donc, on était habitué à un certain nombre de mises en scène traditionnelles de cet opéra, qu'on voit d'ailleurs relativement peu. Hein. On peut remercier Bertrand Rossi de nous avoir programmé Fidelio, parce que Fidelio, on le voit finalement très peu, ce chef-d'œuvre. Mais là, ce n'est pas du tout une mise en scène traditionnelle. Alors, chère Céline, vous allez nous dire, déjà, à quelle époque ça a été transposé, dans quel lieu ça a été transposé. Et puis après, on va parler de l'importance de la vidéo. Parce que tout à l'heure, Bertrand Rossi a dit que la vidéo est importante, mais elle est importante maintenant chez les metteurs en scène depuis plusieurs années. Mais là, elle participe à l'action. Et ça, c'est très important. Et on sera amené à dire que quand Léonore s'interpose à la fin de l'opéra pour empêcher que Pizarro tue Florestan, dans les mises en scène traditionnelles, elle oppose un pistolet. Et là, autre chose. Donc, dans quel lieu se passe cet opéra? Alors, Cyril a beaucoup réfléchi avant de se lancer dans le projet, et pour lui, c'était très important de le placer dans une époque contemporaine, parce que c'est bien sûr un opéra qui parle d'amour, mais pour lui, ce qui l'intéressait, c'était le combat, en fait, vers la liberté, c'était la dimension politique, plus que la dimension romantique de l'opéra qui l'intéressait. Donc il a réfléchi où la situer, et malheureusement, aujourd'hui encore, il y a beaucoup de pays où il y a des dictatures, où la liberté d'expression est réprimée. Et donc, il a situé l'action dans une prison contemporaine. Donc on est vraiment dans une époque contemporaine, avec des costumes contemporains, dans un espace contemporain. On a travaillé sur le décor et on est parti sur un imaginaire qu'on a un peu tous parce qu'on regarde des films, des séries, et qui est un imaginaire d'une prison américaine. Donc c'est quelque chose qui est très aseptisé, on est dans des costumes très aseptisés, dans des uniformes, donc on a vraiment les uniformes de prisonniers, qui sont des uniformes de toile assez épais, pour tout le monde pareil. On a des uniformes de garde qui sont des uniformes de garde travaillés de prison très contemporaines. On a des figures d'autorité qui sont à la fois Pizarro, qui serait un général peut-être, et Fernando, qui serait le ministre, donc qui est dans un costume très contemporain d'homme politique qu'on voit aujourd'hui. Donc on a travaillé là-dessus, et c'était très, très important pour lui qu'on puisse situer l'action aujourd'hui et se projeter dans ce qui se passe encore tous les jours. Alors, une prison américaine, bien sûr, mais dans laquelle on chante en allemand, et dans les personnages ont des noms espagnols. Voilà. Donc, ça, c'est le paradoxe de l'opéra. Ça, c'est le paradoxe de l'opéra, et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur la... sur les textes, parce qu'en fait, les textes étaient beaucoup plus importants, les parties parlées, et qu'on s'est retrouvé avec des textes qui étaient assez désuets, qui étaient dans un allemand qui était ancien, d'accord, et qui ne reflétaient pas plus trop une pensée d'aujourd'hui. Donc on a fait des coupes, et puis on a travaillé avec nos chanteurs, hein, à Paris, et notamment avec Albert Domen, qu'on a la chance d'avoir avec nous, qui interprète Rocco, qui est allemand. Et du coup, on a aussi cherché des manières de moderniser, en gardant l'esprit, et vraiment... Donc les dialogues ont été un petit peu changés. Enfin, c'est des histoires de vocabulaire, oui, en fait. Bien sûr. C'était dire prison au lieu de géole.
c'était vraiment des choses pour vraiment pour moderniser le propos aussi pour qu'on le comprenne. En restant, en essayant de ne pas créer un trop grand fossé entre la partie chantée et la partie parlée, en gardant une chose qui était cohérente. Alors donc, je disais l'importance de la vidéo. Alors déjà, l'importance de la vidéo, c'est dans le lieu. Hein. On est dans une prison moderne, donc tout est surveillé par vidéo. Mais il y a en plus, j'allais dire, enfin je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, la vidéo qui fait partie de l'action. Expliquez-nous pourquoi. Alors Cyril, il travaille depuis 20 ans avec l'image, dans ses spectacles, comme vous l'avez expliqué Bertrand tout à l'heure. Et c'est vrai que pour lui, c'est important, on a des écrans sur scène qui se déplacent, donc qui peuvent à la fois créer des espaces scéniques, donc on peut faire un mur d'écran qui va nous donner l'impression d'être dans un bureau, ou on peut créer des écrans plus petits en les dissociant, et donc ça peut nous faire penser à des écrans de vidéosurveillance, par exemple, qu'il y a dans les prisons. Après, on a un type d'image qui sera de cet ordre-là, qui sera de l'ordre presque scénographique, qui font partie du décor et qui sont les images de vidéosurveillance qui habitent la prison. On a des images qui sont tournées en direct par un cadreur qui est sur scène avec les acteurs et qui nous permettent d'aller dans quelque chose de beaucoup plus intime, dans un rapport beaucoup plus intime avec les chanteurs. Donc on a les chanteurs sur scène qui sont à l'échelle 1, mais en même temps vous aurez des écrans qui vont vous permettre de voir leurs expressions. Et donc ça permet aussi d'être dans un code de jeu qui est très fin, ce qu'il faut qu'on arrive évidemment à trouver un code de jeu qui est cohérent entre le plateau et l'image. Donc il faut qu'eux, ils apprennent à gérer ça, en fait, ce passage de l'un à l'autre, parce que c'est pas évident. Et on a un troisième niveau de lecture des images qui sont des films qu'on a tournés en fait pendant les répétitions avec Florestan et Léonore, et qui sont les deux ouvertures des actes et qui nous permettent de narrer l'histoire en fait, de montrer où on en est, d'expliquer la situation. Et alors donc cette caméra mobile qui est utilisée tout au long du spectacle, elle va devenir l'instrument de défense de Léonore. Expliquez-moi la fin. Exactement. En fait, Cyril était très intéressé aussi, enfin, il est très intéressé en général dans son travail par le pouvoir des images aujourd'hui. Ouais, le pouvoir de l'image, c'est le monde contemporain. Voilà, par les GAFA et tout ça, et que donc, il sait l'importance de l'image et de la représentation par l'image aujourd'hui. Et on peut avoir à certains moments l'impression que Léonore a avec elle une caméra embarquée, cachée, qui serait témoin de ce qu'elle voit. Et à la fin, c'est exactement ce qui se passe. Et on a pendant l'opéra à quelques moments des regards caméra de Léonore. Et à la fin, elle s'empare de la caméra, elle filme Pizarro comme témoignage de ce qui se passe. Elle s'est infiltrée et elle prend ces images pour témoigner à l'extérieur de ce qu'elle a vu. Donc, au lieu du pistolet, hein, qu'elle opposera à Pizarro, elle oppose en fait la caméra. Exactement. Et c'est un concept très, très moderne et ça fonctionne très bien, c'est très efficace. Alors, cet univers est évidemment complètement clos. Je pense à cette fameuse scène des prisonniers où traditionnellement, les prisonniers sortent à un moment, à la fin du premier acte, ils sortent de la prison de la géole, comme on dit, et voient le jour. Alors là, ils ne voient pas le jour, ils sont dans un gymnase. Oui, ils sont dans un gymnase, mais ça pourrait être une cour. En fait, c'est toujours compliqué à l'opéra de notifier les espaces. Nous, on tenait à l'espace unique, on ne voulait pas faire des gros changements de décor. Et donc, non, c'est pas montage jeté, c'est pas du tout reproche. Non, mais du coup, c'est vrai que pour Cyril, il y avait un espace cellule, il y a un espace vraiment prison, et il y a aussi un espace qui serait aire de promenade, aire de jeu, où les prisonniers peuvent jouer au basket, lire, tout ça. Et, donc, et c'est là où les familles viennent les rejoindre. C'est là où les familles viennent. Alors,
viennent les rejoindre. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de visites hein, dans cette prison-là. Honnêtement, parce que c'est une prison qui est, dans notre esprit en tout cas, assez dure. Oui. Mais ça pourrait oui, d'accord. être un endroit, effectivement, de rencontre. Alors, je parlais en commençant des grands thèmes, évidemment, dans le thème de la liberté, évidemment, ça on comprend complètement. Vous avez dit quoi, le thème de l'amour, c'est pas forcément celui qui a fait vibrer le metteur en scène si, Non, c'est pas du tout ce qui a interpellé Cyril. Pour lui, c'était vraiment ce qui l'a interpellé et qui a fait qu'il s'est lancé dans ce projet. C'est que, pour lui, l'important aujourd'hui, c'est le combat pour la liberté des idées. Et donc voilà, c'est ça qui m'intéressait dans cet opéra. Et ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'était d'arriver à travailler avec les personnages, sur des personnages qui ne sont pas manichéens. C'est pas la gentille Léonore, le gentil Florestan, le méchant Rocco, le méchant Pizarro. Ce qui était intéressant pour lui, par exemple pour Léonore, c'était de montrer que évidemment elle a cette soif d'absolu, ce combat en elle, qu'elle va à la recherche de son époux, qu'elle ne lâche rien, et qu'elle le fait par amour et par conviction politique. Mais, d'un autre côté, pour ça, pour arriver à ses fins, elle est d'accord de rentrer dans une prison, de faire en sorte que Marceline tombe amoureuse d'elle et d'entretenir cette flamme-là pour gagner les bonnes grâces de son père. Elle est prête à molester des prisonniers parce qu'elle veut aussi les bonnes grâces de Rocco. Et donc voilà, c'est ça qui nous intéressait, c'est de trouver la dualité pour chaque personnage. Et elle veut aussi apporter de la douceur dans la prison, parce que c'est grâce à elle que les prisonniers sortent de leur cellule et vont à l'extérieur. Oui, parce qu'elle est très idéaliste, mais elle n'est pas seule dans cette entreprise. Par exemple, pour nous, Marceline, qui pourrait être un personnage un peu faible et un peu girly comme ça, ben pour nous pas du tout. Enfin, pour Cyril, c'est un personnage qui a grandi dans cette prison, qui connaît ce monde par cœur, qui a foi en la réinsertion et qui travaille dans la prison, apporte des livres aux prisonniers et a espoir de leur ouvrir des portes pour l'avenir en leur faisant découvrir la culture notamment. Merci beaucoup. Céline, avant, on va continuer à parler, mais je vois que le temps passe. Il est temps de parler avec le maestro. Alors, quand on vous voit, quand on vous entend diriger Fidelio, on pense que vous connaissez cette musique comme ça, que vous avez déjà dirigé 10 fois, 20 fois Fidelio. Combien de fois vous avez dirigé Fidelio ? C'est la première fois. Jamais, donc. Écoutez, c'est vraiment extraordinaire. Mais vous connaissez évidemment bien l'univers de Beethoven. Oui, bien sûr que chaque chef, je pense qu'on a. C'est le répertoire de base, c'est vraiment. On le fait tout le temps. Et Ludwig van Beethoven était aussi lié à ma ville de résidence aussi. Je suis de Maribor, c'est de la ville de Slovénie, mais j'habite à Ljubljana. Et à Ljubljana, il a eu un Philharmonische Gesellschaft, donc association des amis de la Philharmonie. Et Beethoven était élu le membre honoraire de cette association. Pas possible. Oui. Ah. Et donc, pour dire merci, il a envoyé une copie, un manuscrit de la 6e symphonie à lui, et avec de corrections et de indications pour le chef et aussi pour l'orchestre. Ça, on garde dans la Bibliothèque nationale. Bien sûr. On a fait un facsimile. Il a tellement de choses qui sont changées, c'est très intéressant. Donc, et l'autre chose que vous avez dit, Franz Schubert, et quelques années après qu'il a vu Fidelio, il a présenté sa candidature pour être le prof à la, c'était pas une académie musicale, on va dire conservatoire, mais ça ne s'appelait pas comme ça, à Ljubljana, à 19 ans, il a présenté sa candidature et il a été refusé. Donc ils ont dit non, merci, ils ont pris un autre. Donc la ville de Ljubljana, il a une histoire assez glorieuse, mais assez aussi
triste. Et Ludwig van Beethoven, pour moi, bien sûr, c'était le premier cycle que j'ai fait aussi, comme vraiment très jeune chef, à 27-28 ans. J'ai dirigé toute la 9e symphonie de Beethoven avec l'Orchestre Philharmonique de Slovénie, donc c'est quelque chose. Bah, on connaît le repas, je pense que c'est pas seulement pour moi, c'est pour vraiment. Bah, c'est la base. Mais cet opéra, c'est pas un opéra de Verdi, c'est pas un opéra de Puccini, c'est comme une espèce de symphonie. C'est très voisin du style de la symphonie, cet opéra, Fidelio. Bah, on cherche, comme interprète, on se pose la question de l'interprétation de la mise en scène, c'est une chose que. C'est la façon de travailler, ça peut être vachement différent que la façon de travailler sur la musique, la musique de Beethoven, parce qu'on est lié aussi à la structure basique de cet opéra. Donc qu'est-ce que c'est que Beethoven il a apporté, quelles sont les nouvelles choses que Beethoven il a fait, et si on pense un petit peu à ses prédécesseurs, surtout Haydn et Mozart, juste pour dire deux mots. Oui. L'orchestre, bah non, parce que Mozart il a déjà utilisé les trombones, Nicole aussi, oui. Et percussion, nous n'avons pas la percussion dans le Fidelio, même si on peut imaginer que le bruit de la prison de chêne, de je ne sais pas quoi, ça pourrait tout à fait être aussi joué par la percussion, mais il n'a pas choisi ça. Il a choisi un orchestre plutôt normal, classique, oui. Pour cette époque, tout à fait classique, rien de nouveau. La forme du morceau musical, c'est souvent la forme sonate, donc oui. La forme classique, Haydn, donc rien de nouveau. Et après, je pense que ça, c'est important, et c'est lié aussi au sujet de Fidelio, de l'idée de la... On a parlé de révolution, on a parlé de l'idée que moi j'aime bien aussi l'autre côté, donc c'est la femme que va sacrifier pour retrouver son épouse. C'est une grande chose pour moi, c'est tellement important, et c'est tellement présent dans la musique. Et là, on trouve que, alors pour Beethoven, pas seulement dans Fidelio, mais ici, c'est tellement important. Si vous regardez plusieurs morceaux musicaux de Beethoven et vous faites l'analyse, alors il y a une chose qui est complètement différente du monde de Mozart et Haydn et aussi tout le monde qui était autour de ces compositeurs. C'est parce que, alors Mozart fait un premier thème et après il fait un pont et on fait le deuxième thème. Deuxième thème, normalement, c'est un petit peu contrasté par le premier thème, mais parfois même pas trop. Donc c'est un contraste, mais c'est tout à fait cohérent avec... On développe un thème, on le présente, on fait on s'amuse avec ce thème, on fait quelque chose avec. Mais Beethoven, il fait un statement. Il présente un thème, même si le thème, c'est que le premier thème de l'ouverture, c'est... C'est très court. Et donc, ça c'est le statement. Et il aime bien, il est surtout intéressé pour le grand contraste, parce que après ça, c'est la réaction. C'est pas le développement, c'est une coupure brusque. On s'arrête nettement, et après, il fait la réaction. La réponse, mais c'est plus que ça. Parfois, c'est vraiment la réponse violente. Parfois, c'est la réponse doux, parce qu'au départ, si vous pensez à ça, donc on est sur le mi majeur, tonique, pim, pram, pim, pram, pim, pram, pam, pam, dominante, et si majeur. Et ça, pour moi, c'est une question, parce que si vous faites pam, pam, c'est une question, pam, pam, réponse. C'est très facile dans la musique. C'est basique. C'est basique. Donc, il a fait, quand il pose la question au départ de la voiture, après sur le corps,
Et les clarinettes qui donnent une réponse. Et mon langue. Et ça prend du temps. Donc le thème d'exposition est tellement court, la réponse est tellement longue. La réponse est quand même lyrique, la réponse est doux, la réponse est complètement contrastée et la réponse n'a rien à voir avec la question. Donc c'est ça que c'est la nouveauté de Beethoven et surtout dans cet opéra, c'est tellement présent. Après, c'est vrai aussi, si on parle un petit peu encore de la musique de Beethoven, que c'est très difficile à chanter. Et moi, je pense, souvent on dit que, alors la 9e symphonie de Beethoven, si vous chantez soprano, au fin, vous voulez chanter... Oh là là, oui, ça c'est terrible. Oui, tout le temps, hein, ouais. Tout le temps sous le la. Et sous chaque livre d'instrumentation ou de conseil pour la composition, c'est écrit que le soprano est son do, grave, jusqu'à sol. Et pas de là. Là, c'est hors de question. Pour encore. Donc, il utilise tout le temps sous la, même ici dans cette opéra, c'est pareil. Mais moi, j'aime bien penser que cette chose, c'est pas... Souvent, on dit qu'il était sourd, il ne savait pas qu'est-ce qu'il a écrit, c'était pas tellement bien écrit pour le voir, donc c'est difficile à chanter. Moi, j'aime bien penser que Beethoven, il a voulu pousser tous les personnages au plateau, aux limites, et un petit peu plus que les limites. Et donc, même si on fait c'est fatigant, même si c'est épuisant, on est épuisé à la fin de cette finale, bien sûr, mais c'est, je pense, c'est la volonté aussi. Il ne faut pas faire ça, emballer dans un cellophane et dire, bah, c'est beau, la musique est bien, on est dans la période classique. Non, il s'est battu contre ça. Et ça, je pense qu'à l'interprète, c'est une chance d'avoir cette possibilité. Puis alors, vous évoquiez l'ouverture, il s'est torturé pour composer cette ouverture, puisqu'il y a finalement quatre versions. Il y a la version Léonore 1, Léonore 2, Léonore 3, puis la version finale et l'ouverture de Fidelio. Oui, bien sûr. Et comme vous avez dit, alors qu'il a fait des coupures, c'est vrai, il a fait très peu de coupures par rapport à la version originale, mais il a rajouté un numéro, parce que le premier duet, dont la version 1805 n'existait pas. Donc, pauvre Giacchino, il était seulement dans deux ou trois ensembles. Sa rôle était vraiment mineur. Et maintenant, Beethoven, il a fait une réévaluation. Oui, absolument. Il a révisé. Donc, effectivement, la seconde version, la troisième, si vous voulez, sont, je pense, qu'on a duré plus longue et pas plus court, même s'il a promis de faire le coup. Oui, bien sûr, mais de toute façon, il avait la tête dure, hein, de toute façon, il savait ce qu'il voulait. Hein. Et alors, il y a un plateau absolument extraordinaire. Hein. On peut parler des chanteurs, maestro, un petit peu. Alors, il y a, dans le rôle de Florestan, il y a Gregory Kunde, hein, qui est un des plus grands ténors américains au monde. Et en fait, qui a débuté sa carrière à Nice, sa carrière européenne à Nice, il y a près de 40 ans. Il était venu chanter dans deux productions, dans Les Pêcheurs de Perles. Il avait chanté, il avait commencé sa carrière, il était déjà il y a 40 ans, il a 68 ans, il est toujours en scène. Et également dans une production, Bertrand, une production de... Qui avait été produit d'après au théâtre des Champs-Élysées, l'opéra de. Ben, je ne sais plus où, il était revenu, Gregory Kunde, dans une production de. Ben, je ne sais plus. Voilà. En fait, donc, il avait chanté deux fois il y a une quarantaine d'années, il est à nouveau ici et bon. Guillaume Tell. C'était dans Guillaume Tell, peut-être, oui. Oui, c'était dans Guillaume Tell, justement. Oui, oui. Non, c'est un des grands ténors américains. Et puis alors il y a
Vous pouvez peut-être nous dire un petit peu quelques mots sur l'interprète de Fidelio, qui chante pour la première fois aussi, hein, ce rôle-là. Oui, je pense alors, si on parle d'un petit peu de cast en général, je pense que c'est une super idée, super intéressant, qu'il a deux chanteurs solistes qui sont vraiment avec une grande expérience, comme Albert Dorman, qui a chanté, je pense, Pizarro pour 30 ans, maintenant il chante Rocco. Et effectivement, il est extraordinaire. Oui, comme notre Pizarro était malade pendant 3 jours, Albert, il a chanté tous les deux rôles. Donc, parfois, il s'est posé la question, il a répondu à la question, et après, il est retourné à Rocco Pizarro, tout le temps. Et ça manquait rien. Il a eu tout le texte de Pizarro, répète sur tout son texte, donc c'est quelqu'un qui connaît cet ouvre super bien. Albert Dorman, bien sûr, aussi Thomas Edmond Gazzelli. Gazzelli, oui, qui chante notre Pizarro, aussi il a chanté plusieurs fois, beaucoup de fois. Et Grégory Koundé, on l'a déjà dit, donc même si c'est la prise de rôle, c'est quelqu'un avec énormément d'expérience dans le monde lyrique. Et d'autre côté, on a 3 chanteurs. Berger, on va parler un petit peu plus tard. Alors, il a 3 chanteurs, jeunes chanteurs, Marceline avec Jean Gérard, Angélique Boudville fait Léonore, Joaquin, c'est Valentin. Til, merci. Voilà, parce que je connais le prénom, désolé. Valentin Til, que fait. Donc, ce sont 3 chanteurs qui ont très peu d'expérience sur le plateau, très peu par rapport à leurs collègues. Et ça, je trouve génial qu'ici, avec le soutien vraiment de la direction, l'idée aussi, c'est pas seulement le soutien, c'est l'idée aussi de casting chez vous, c'est très bien. Qu'on prend d'un côté le chanteur qui a beaucoup d'expérience et on le met de l'autre côté le chanteur qui sont avec premier pas sur le théâtre, et ça c'est très bien parce que aussi pendant le travail on a noté ça, que passer l'expérience de qui a l'expérience à le jeune, mais d'autre côté aussi redonner l'énergie, redonner des nouvelles idées, ça peut créer une chose assez nouveau et assez fantastique. Donc c'est bien. Et vous êtes là au centre parce que vous avez une expérience de Beethoven extraordinaire, mais vous êtes tout nouveau dans Fidelio. Bah oui, j'ai voulu faire Fidelio en forme, c'était un semi-stage. Je passe beaucoup de temps en Tasmanie, ça c'est l'île sud de l'Australie. Et bien sûr, si on connaît un petit peu l'histoire de l'Australie, mais surtout la Tasmanie, il a eu un prison le plus dur à l'époque, ça s'appelait Port Arthur. Et Port Arthur existe toujours, c'est juste les ruines. Et donc, dans cet endroit assez terrible, parce qu'on voit les cellules super petites, et on voit toute cette histoire assez triste, tragique de ce pays. Et on a voulu faire Fidelio. Finalement, le dieu de vent, il n'était pas avec nous, donc le vent soufflait trop fort et on est allé à la maison, on n'a pas joué. Mm-hmm. C'est pour ça que maintenant je suis à Nice et j'espère donc qu'on est dans le bâtiment. Oui, là, la question de vent, il n'y a pas de problème. Mes amis, vous savez, on a beaucoup parlé, il y a presque une heure. J'aimerais vous faire entendre peut-être 2 airs pour que vous ayez une idée musicale de cette opéra, si vous ne le connaissez pas. Je vais vous faire entendre peut-être un air, ou un extrait d'un air de Léonore, puis un extrait d'un air de Florestan, dans cet enregistrement historique qui a été dirigé par Otto l'Empereur, dans lequel Léonore et Christa Ludwig et Florestan, John Vicker. C'est pas pour être un modèle, c'est pour avoir une idée, parce qu'on peut, on peut chanter différemment tous les opéras et tous les airs. Voici donc l'air du premier acte des opéras.
partie, oui, mais la première partie, l'adagio, c'est une chose que je pense que l'interprétation de musique classique, ça a beaucoup changé dans les dernières, on va dire, 30 ans. Ouais. C'est toujours la question qu'on se pose juste par rapport, parce que le tempo du tempera, bien sûr, c'est assez lent. Très lent, toujours très lent, le tempera. Ouais. Et nous, et moi, j'étais beaucoup, je suis beaucoup Harmon Poor, qui était un grand interprète aussi, ouais, de cette musique aussi. Donc on s'est posé toujours la question, ça c'est un petit peu, maintenant, ben, vous êtes mélomane, donc je peux vous dire, 2-4, la mesure c'est 2-4, donc 2 noirs dans la mesure, et adagio. Effectivement, on dirige 1, 2, 3, 4, par la croche. Donc comme si c'était 4 croches. Et ce tempo, c'est adagio, 4 croches. Mais Domini l'a marqué, adagio, 2-4. Donc c'est toujours la question, je pense que... Alors l'interprétation de ça a beaucoup changé dans les derniers 30 ans. Et maintenant, je pense que les tempi sont plutôt un petit peu plus vite. Et surtout, c'est pour ça que je vous posais la question. Oui, mais il a tellement de problèmes dans cette partition par rapport à un maître musical. Mais bien sûr, alors, ça qu'on entend, c'est un Christa Ludwig magnifique. Ça, ce qu'elle chantait, enfin la signification de cet air, c'est au premier acte, c'est « Viens, espoir, ne pâlis pas, éclaire mes pas jusqu'au but, je tire ma force de ma fidélité. Hein, » et puis pour terminer, je crois que c'est beaucoup plus court, moitié d'air de Florestan au début du deuxième acte, où il évoque les souvenirs des jours heureux qu'il a passés avec Léonard. Si vous avez noté un petit peu le début,
J'ai pris, un tempo assez rapide, assez normal, et vu qu'il était devant lui, pourquoi? Tous les teneurs, ils ont peur que cette longue phrase de son extrêmement longue, extrêmement fatigante pour chanter. C'est extrêmement difficile, ce début de l'air. Donc Vickers, il donne un message à M. Klemperer au début, pas trop long, s'il te plaît. Il est toujours un petit peu avant lui. Donc le chef, bien sûr, il a réagi aussi, parce que c'est un échange, et c'est ça qui fait la musique parfois aussi super intéressant, parce qu'il y a un dialogue. Et parfois, c'est pas seulement du dialogue, parfois c'est un conflit. Parfois, on s'arrête, on dit avec lui, non, et le teneur dit avec celui-là. Voilà. C'est possible aussi. Ça vous est arrivé, ça? Oui. Ah. Mais pas ici, à Nice. Non, c'était à Vienne, à Staatsoper de Vienne. Oh là là, en plus. Y a-t-il, on arrive au, y a-t-il des questions dans la salle? Je suis sûr que vous avez plein de questions à poser, là, encore quelques minutes. Ah, moi j'en ai une. Ah. Madame la metteur en scène, bon, ben, évidemment, pour que la femme du... la fille du gardien de prison tombe amoureuse de Éléonore, il faut dire qu'elle est travestie et qu'elle est toujours en pantalon, mais est-ce qu'elle rentre dans la police, vraiment? Est-ce que Éléonore rentre dans la police? Oui. Ben oui, oui, je pense que vraiment, elle s'infiltre, elle se travestit et elle rentre. Nous, dans ce qu'on s'est raconté, c'est que c'est sûrement pas la première prison qu'elle fait et qu'elle a, sur les deux dernières années, cherché Florestan partout. Et que là, c'est peut-être sa dernière chance de le trouver et que donc, c'est un moment qui est très, très, très important pour elle et où elle donne tout, en fait. Donc oui, elle est en garde de prison, ouais, mais elle est en garde de prison, elle a les cheveux courts, et elle est complètement dans le acceptée et validée par ses pairs. Jacques Litton est très jaloux d'elle, et donc Rocco l'a complètement adoptée, elle parle d'elle de son futur beau-fils et tout, enfin, elle est vraiment très très très, ça a complètement marché, son infiltration. Merci. Et Maestro, avez-vous dirigé beaucoup de Beethoven? Oui. Alors la première fois, c'était Lio, Les symphonies? Je le fais tout le temps. Depuis. Ça s'entend, c'est pour ça. 25 ans, un des premiers concerts, c'était déjà la troisième symphonie. Et après, je n'ai pas arrêté. Dernier cycle, je pense que c'était le cinquième cycle de tous les 9 symphonies de Beethoven. Je l'ai fait, on l'a fait à Strasbourg aussi, et maintenant je l'ai fait aussi à Bremen, donc ça ne s'arrête pas, je pense. Là, vous êtes là, je pense. Je pose cette question parce que on a l'impression que vous l'habitez totalement Beethoven. Merci beaucoup. Autre question. Personne veut dire quelque chose? Alors, est-ce que moi, j'oserais ajouter quelque chose? Qui? Oui, allez-y. Alors, moi, ce que j'ai adoré, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent? On a créé l'opéra à Paris. Non, il y a avec un autre chef. Et ce qui était génial ici à Nice, c'était de réinventer cet opéra avec de nouveaux chanteurs, parce qu'il y en a seulement Adam Domen qui est de la même distribution, et surtout avec de recréer ça avec Marco. Et c'était extrêmement agréable d'avoir ce dialogue ensemble, parce que Marco arrivait dans une production qui était déjà faite, et donc il y a des choses avec lesquelles il était d'accord, des choses avec lesquelles il n'était pas d'accord. Et donc ce qui était vraiment formidable, c'était de parler ensemble, de recréer ensemble, de réinventer ensemble quelque chose qui nous allait à tous les deux, mais qui aussi allait aux chanteurs, parce que nous, ce qu'on a imaginé pour les chanteurs de Paris, c'était des autres chanteurs qui avaient des autres physiques, des autres âges. Donc ce qui est passionnant, c'est de réinventer le dialogue, de réinventer une équipe et de recréation, voilà, et d'inventer un langage commun qui fait qu'à la fin on est tous heureux et qu'on ne fait pas une copie de ce qui a été fait, on n'a pas fait du copier-coller. Et donc ce que vous allez voir à Nice, c'est notre production à nous tous ensemble.
et notre dialogue, nos énergies, nos caractères, et c'est ça qui était très beau, en tout cas pour moi. Merci madame, merci maestro, merci public, à bientôt, à l'épargne.